Et donner 20 000. Même à minuit ferme, c'est colo. Monsieur, restez tranquille. À la F, c'est colo. D'autres et d'autres, c'est colo. Je viens payer un truc que je n'ai pas fait à 20 000 francs. Ouvrez ma tête. Ouvrez ma tête. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Écoutez. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbir, le goût de la réussite. Elle est où? Ah, elle vit non? Donne-moi une brique. Viens. J'ai mon dossier qui arrive. Je veux l'organiser. Je me suis un peu. Je connais bien mon système ici avec ma chambre. Bonsoir, demain. Il faut souvent mettre au frais. La jeunesse, vous êtes trop bizarre dans le commerce. Ça dit que nous avons un frigo. Il n'y a pas la lumière. Depuis le matin, il n'y a pas la lumière. On fait comment? J'ai pris un vin comme ça ailleurs. Que les gars ont mis l'aiguille, percer un petit trou, tirer tout le vin et reprendre le même aiguille, charger l'eau dans le brique, la brique. Donc vraiment désolé pour les multiples appels. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tellement d'appels, vous insistez, il s'agit de quoi? Donc c'est que je traverse une situation assez compliquée. Il s'agit de quoi? Maman, ça ne va pas. On lui avait détecté une glycémie assez élevée. Donc j'ai marché dans tous les hôpitaux avec ma mère. Pourquoi vous ne faites plus le bouillon du chien? Elle a à quel âge? 70 ans seulement donc. 70 ans. Et ça fait combien de temps qu'elle a ce problème-là? Ça fait pratiquement 2 mois. Ça n'a même pas encore mis long. Mais sauf qu'on a marché avec. Marché, on n'a pas pu avoir solution. Et c'est une amie qui m'a dit qu'une fois, elle a eu un cas assez compliqué de mysticisme. Oui. Et c'est vous qui avez pu avoir la solution. Elle m'a donc filé votre numéro. C'est comme ça que je vous ai joint. Non, je pense que c'est simple. Vous savez qu'on ne peut pas parler de la santé en route. C'est mieux pour... Vous prenez disposition et puis vous venez avec la maman au cabinet. Et le cabinet situé où? Non, déjà le cabinet, on a un cabinet à Yaoundé, gendarmerie maintenant. Et voilà. Et un autre cabinet à Douala. Oui, demande chez Macha. Ok, cool. Elle est amoureuse. Il me forme ça mal. Il me forme mal. Comme ma pop n'est-ce pas? Ma pop ne vous. Ça va, vous pouvez. Vous pouvez causer. Allô, allô, le bébé. Allô, allô, le gombo sur le bébé. Allô, 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 allô. Tape un truc ici. Oh, pas maintenant. T'es depuis le matin. Oh. Tu peux me changer. Viens. Il est pas là.
Non, il vient du dedans. Non, j'ai... Vas-y, vas-y. J'ai récupéré. Ok. Hein? Viens. Viens d'abord, viens. Viens, viens. Viens. Je fais un bisou sur la bosse. La bosse. 5 kilos de bosse, c'est la bosse. La bosse, la bosse. La bosse, quand c'est 1 kilo de bosse, c'est toujours la bosse. La bosse. Et ça marche dehors ma catégorie, hein. Je vais te faire un peu de temps. Sauf combo sur le bébé. Allô, 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 allô. Allô, Pestan. Pour me contaminer. Nous voulons des produits bio. Les gens qui ont créé les sociétés de partout, partout, tu veux la santé à qui? Sauf combo sur le bébé. Allô, 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 allô. Essai. Ah. Prépare-moi le demi carton de ça. Pente fort! Pas le roi! Mourir autant que nous sommes! J'ai compris. Ma femme là. Ma femme. Hein? Le poitrine, pem pem. Bobitanap. Bobitanap. Puis chanter une chanson sur sa poitrine. Bobitanap. Bobitanap. Bobitanabe, Bobitanabe. Là, ta mère que je veux peser sur moi. Comme j'importe les trucs. Comme j'importe les plantains là. Je veux peser sur moi, va préparer même le lion ici. Cours! Ah, j'adore les jaloux, ils m'en parlent de moi, ils font ma publicité. Quand tu as une jeune fille, les gens te guettent partout et te sont les yeux des sorciers. Oh, oh le bon des méchants, oh, la vie est terrible, oh, vivons seulement ma mère. Et j'adore les jaloux, ils m'en parlent de moi, ils font ma publicité. Quand tu as une jeune fille, la poitrine en haut, comme les voyageurs. Et les mongols regardent, mais ce n'est pas le niveau. Oh, ils vont seulement supporter ma vie. Et j'adore les jaloux, ils m'en parlent de moi, ils ont la publicité. Et d'abord, et puis comme ça, 4 avant d'arriver. Oh, produit brut, produit brut! Produit brut! Ah! Elle est con, je dis. Ouais, chérie. Ça me rappelle ce mec. Tu connais la chanson aussi? Comment tu veux comme ça? Dis que c'est. Ya ya yo, ya c'est quoi, mais. Attends, dans la chanson aussi. Ya ya yo, ya c'est quoi, mais. Ya ya yo, ya. On dit ça, on dit ça. C'était la mort! Sauve-toi ici. Assois-toi ici. Assois-toi ici, je pèse. Rien sur la climatisation. Ouh, ouh. Il dit seulement que vous. Il dit que vous.
C'est tellement la beauté au-dessus de la beauté. Merci. Je te dis, quand tu mets souvent comme ça, elle met rien dedans. Ça tue ton charisme mal. Ça baisse un verre. Ouais, un verre. La veuve qui s'est au bas. Viens, viens. Ton rôle, c'est quoi? Ton rôle ici, c'est quoi? Je suis serveuse, non? Baisse ta tête. Baisse, je te parle un truc. Baisse. Baisse ta tête comme ça, je te parle. C'est ton cul rouge ici. Viens. Viens. Bah. Vous servez au bas, vous êtes distrait. Tu as ce même truc, tu as ce même truc ici. Quand on m'a changé ici, nous on n'a pas trop de problèmes comme ça. Qui? Tu crois que tu es où? Tu es à la F? Tu veux que? Tu venais ici faire quoi? Oh. Il faut seulement qu'on te demande de venir donner le verre. Je rentre. Je rentre. Attends, attends, attends. Je suis là. Non. Oh. Je récupère ma bière. C'est moi qui t'ai offert ça. Et tu fermes ton ravin vers le bas. Donc tes conneries là. Oh chérie, arrête. Ouais. Toi aussi. Pourquoi tu es pressé comme ça? Oh. C'est notre type de romantisme. Quand tu donnes le vin à une femme que tu aimes, fait que ça frappe d'abord les premiers dents d'avance. Et ça donne le goût au vin. Bois même ici une fois. Bois. Tu connais les bonnes choses. Ça c'est très bon. Ça c'est le vin. Quand je veux manger le bon tarot, c'est ça qu'elle prend. Chérie, comme je te disais dernièrement au téléphone là, j'avais misé sur la cote de 10, comme le Burundi. Mon argent est parti dans l'eau. Mon argent de pension. 50 000. Je ne sais même pas comment je vais faire à la maison. Toi, ça, c'est la cote de 10. De 10. Toi, même, tu croyais que le Burundi allait taper le Cameroun, comment? Et puis, laisse comme ça. Avec André, on en a tout fait, tout flamme. Vous gardez 5 jours? Je ne sais même plus quoi faire. Si papa est au courant que je suis ici présentement, je ne sais pas quoi il va faire de moi. C'est combien? 50 000. Mais honnêtement, j'ai besoin de 200 000. Il veut mettre 70 000 francs à ta disposition. Mais il veut fond. Toi aussi. Il veut fond. Il n'y a pas de problème. Tu me donnes les 200 000 et le lendemain, on fond. J'ai d'avoir un tempérament d'excitation tellement élevé. Moi, je ne peux pas. Si je gère certains trucs, maintenant, tu me gères certains trucs. Okay. Il peut me battre, il te donne 100. Il te donne 100. D'accord. Tu me donnes le 100. Oui. Je rentre à la maison. Tu m'en vas déposer l'argent. Je reviens. Je tu ne peux pas payer ta pension. Oui. Je reviens. C'est même l'école de quoi? Moi, je veux te légaliser dans un mariage. C'est l'école de quoi? Hein? Si tu m'avais déjà légalisé, c'est qu'on ne souffre plus. Oh. J'aime ça. C'est bon, ça va. Aïe, 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 qui parle? Les gens parlent, les gens parlent. Et y'a plus d'enfants, Mélissa, qu'est-ce que tu n'es pas à l'école, tu fais quoi ici? C'est quoi de l'effrayer? Pardon, monsieur. Pardon. C'est ma fille. Elle est censée être à l'école.
Mais je rencontre dans un bar, en train de se faire criposer par un vieillard. Il m'a pu écrire quoi, c'était madame. Elle est qui pour toi? Non, monsieur. Vous êtes sérieux là? Seigneur, vous êtes sérieux là? Vous faites une trouble de jouissance. Pardon? Vous troublez la jouissance de quelqu'un. Ah bon? Ah bon, ce bonbon? Mélissa, tu avais un homme qui peut t'accoucher? Tu avais un homme qui peut. Donne-moi la perruque là, ici là. La perruque de qui? C'est moi qui ai donné l'argent pour qu'elle achète ça. J'ai donné l'argent l'autre jour pour ça. Monsieur, ça m'appartient. Ne s'attirez pas jusqu'à ce niveau. Ça m'appartient. Dis à ton soi, je ne sais pas. C'est qui? Lui, c'est qui? Hey! T'en souviens quoi, maman? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous êtes qui? Je ne suis personne. Ok? Vous faites quoi avec une élève à 7 heures au bar? Détournement des mineurs. Ya! Votre fille, papa! Laisse-moi voir. Votre fille! C'est ça, ça à la maison. Ton problème, non? C'est la maison qu'elle est réglée. Elle est qui pour vous? C'est ma fille! Et vous réglez le problème au bar? Vous, c'est votre fille, c'est la pérou, fait vous n'avez pas l'air. Violet! Vous voulez parler? Violet de votre état! Vous voulez parler? Madame! Je vous fais parler? Madame! Vous parlez de quoi? Vous, vous... Donc, vous parlez. Voulez parler? Ah, donc, qui là? Quand tu vas à l'école, comment tu mets la tenue de classe dans le sac. Vous séquestrez un tu t'échanges. Tu prends ma pérou. Arrêtez! Elle est supposée qu'à l'école. Elle est venue pour parler d'un problème de pension. Ok. Un problème de pension. Mais tu as un problème de pension? Tu as un problème de pension, madame, viens comme ça. Tu as un problème de pension? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème de pension? Viens comme ça. Laisse-toi. Tu as quel problème de pension? Qu'est-ce que le monsieur essaie de me dire? Tu m'as dit que tu as un problème de pension, non? Tu as un problème de pension? On sort sur le soleil et la pluie pour toi. Et ce que tu fais, c'est notre merci comme ça. C'est notre merci. Tu as fait quoi avec la pension, je n'ai pas compris. Il y a une mise bien, je compte quand même. Ce n'est pas possible. Côte. Quelle côte? La côte de quoi? La côte de quoi? Passe comme ça, pas la maison. Passe. Tu sais la côte de quoi? Allez, madame. Un vieillard de son état. Violeur. Reviens là. Oh, je vous piégeais d'abord depuis. Vous m'avez versé le vin tout à l'heure, non? Vous m'avez versé le vin, non? Donc c'est ce que vous êtes en train de faire dans un bar. Et vous quoi? Depuis je vous observe. Il fait quoi? Venez là, venez là. C'est pas possible. Ça c'est votre fille. Vous savez que vous êtes en mesure de l'accoucher? Répondez-moi. Vous savez que vous êtes en mesure de l'accoucher? Commencez d'abord à faire l'amour quand vous commencez à 28 ans. Pardon? Pardon? Vous l'accouchez que vous commencez quand? Et comme j'ai lancé les activités sexuelles. Laissez, je prends. Laissez, monsieur, je prends sur moi. Et commencé les activités sexuelles à 28 ans. Vous avez commencé à 28 ans. Est-ce que vous savez que cette fille, elle a moins, quand on la regarde, elle a moins de 21 ans. Monsieur, elle a 17 ans. Voilà. 17 ans. Elle a une poitrine comme le régime de Plantin. Monsieur, il me parle de poitrine. Quand même gonflé sur les nerfs. Il me parle de poitrine. Mais vous êtes normal. Vous venez de faire un détournement de mineur. Et ça vous vaut un emprisonnement. Que tu es allé où avec elle? Que vous êtes allé. On a déjà fait un truc. On a dit jamais. Vous vous taisez, monsieur, on ne peut pas savoir si vous avez fait quelque chose avec elle. Vous la tripotiez depuis là. Je regarde. On n'a jamais pistaché. Vous n'avez jamais pistaché. Mais vous l'avez embrassé tout à l'heure. Vous avez appuyé ses fesses. Vous avez appuyé ses soeurs. Vous l'avez empêché d'aller à l'école. Elle est venue tout à l'heure, elle est en tenue. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous me répondez. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Vrai ou faux? Elle est venue tout à l'heure en tenue. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous blaguez avec moi, monsieur. Donnez-moi mon téléphone là. Monsieur? Viens faire quoi? Viens faire quoi tu aimes? Je vous ai posé une question, elle est venue tout à l'heure en tenue, vrai ou faux? Elle était en tenue, elle allait s'échanger. Elle s'est échangée. Monsieur, vous venez d'empêcher un enfant d'aller chercher le savoir. J'étais bloqué. J'étais bloqué. Dis la vérité. Ne me salissez pas pour rien. Moi, je suis responsable. Vous êtes responsable. J'étais bloqué. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Avant d'appuyer un enfant de 17 ans.
Tu m'as déjà giflé, grand. Pardon. Tu m'as déjà giflé. Je vais vous faire pire. J'ai la mâchoire qui t'en. Je vais vous faire pire. Je vais vous faire pire. On va vous emprisonner pour détournement de mineurs. Et détourner que je suis allé où avec elle? Tu vas aller avec lui. Je vais te suivre en prison. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui, monsieur? Monsieur, calmez-vous. Je suis en train de. Putain, j'appelle le commissaire. Allô? Il y a une gorge qui a la sécheresse. Oui, monsieur, mon commissaire. Oui, monsieur le commissaire. C'est l'élément pilo. Attends d'abord. On attend quoi? Pourquoi amener loin? Un truc qui est ici. On attend quoi? On amène quoi loin? Un vieux, pourquoi tu veux qu'avec ta fille? Je vous écoute. Une confondation. J'ai vu la poitrine. J'ai vu le truc. Oui. Je me suis dit peut-être que c'est elle avait plus de 30 ans. Elle n'avait plus de 30 ans. Quand vous regardez son apparence, elle fait plus de 30 ans. Tu m'as dit quoi? Tu as fait 8 ans en troisième, non? Ah, maman. Et c'est ça qui lui vaut. Et c'est ça qui lui vaut plus de 30 ans, c'est ça? Parce qu'on a fait 8 ans en troisième, ça vaut 30 ans d'âge. T'as pris la bici où? Quelle copine? Tu m'as dit que tu as pris, tu t'es donné l'argent sur ça, non? Mais. Non, tu peux louer la bille, tu me fais payer. Ah. Je dis, écoutez. Tu m'assois les deux pour payer un truc comme ça alors que tu n'as pas payé. À quel âge? Tu vas arriver? À 17 ans? Tu vas arriver? Mais vous aussi, les enfants, qu'est-ce que vous cherchez même? C'est pas possible. Quand tu regardes un monsieur de 7 ans, tu vois pas qu'il fait pratiquement l'âge de ton papa? C'est même ton grand-père. Et quel âge? J'ai 40 ans. Et 40 ans, vous voyez que je suis vieux comment? Je suis vieux comment? 40 et 17 ans. Non, je n'ai plus que l'âge de Kanto. Je n'ai plus que l'âge du président Paul Biya. Je n'ai plus que l'âge de Cabral Libi. Jamais. J'ai que 40 ans, c'est vieux, mon père. Oui, c'est vieux pour elle. Écoute. Mon père mixait les filles. C'est vieux pour elle. Et vous l'avez écoute dans l'école. Ce que je vais te dire. Tu retiens ça pour toute ta vie. L'école, c'est ton bénéfice. L'école, c'est ton parent. L'école, c'est ton père, c'est ta mère. Il ne faut plus jamais enfreindre la route de l'école pour un homme. Parce que c'est ça qui va garantir ton avenir. Quand tu regardes les premières dames, quand tu regardes les femmes ministres, c'est parce qu'elles ont fréquenté. Quand tu regardes les dames de fer, c'est parce qu'elles ont fréquenté. Ce qui garantit ton avenir, c'est ton éducation. Tu ne vas pas peiner tes parents à chercher de l'argent pour quelqu'un au bas. Monsieur, vous ne bougez pas. Venez là. Je vous ai dit, je vais appeler la police. Et vous allez répondre de vos actes. Pourquoi vous m'amenez comme ça, mon père? J'ai fait quoi de mal? Ah bon? Monsieur, vous même avez... le bisou central, j'ai fait. Mais il a appuyé tes seins et tes fesses. J'ai posé ma main sur la poitrine. J'ai fait quoi? Pardon? Vous l'avez tripoté. Vous avez tripoté, fille de 17 ans. J'ai posé la main sur la poitrine. Posez la main. Posez la main. Quand j'ai même vu la tenue, là, je savais que c'est la tenue. D'ailleurs, je ne discute même pas avec vous. J'ai dit, j'appelle la police. Dans vous allez répondre de vos actes. Le sang, là. Je discute de vous. Ce sont des preuves. Oui, ce sont des éléments de preuve. Posez ça là-bas. Posez ça là-bas. Sans sécurité. Non, posez ça là-bas, j'ai dit. Oui. Sans sécurité. Voilà. Je ne veux pas perdre de vue ce sac. Ce sont des preuves. Attends, Mélissa, on parle là de toi. On parle encore pour elle. Toi, la fille de. Oui, allô, mon commissaire. Tout à l'heure, ça a coupé. Mon petit, laisse qu'on tue ça ici. Pourquoi vous êtes pour faire ça? Toi, tu n'as jamais forme. Tu as la même forme, mon petit. Tu as la même forme. Vous tu fais du mal à quelqu'un qui est avec toi. Toi, tu ne cherches pas les femmes. On se fume où? C'est pas la sansa. Tu fumais quoi? Hein? On ne t'était pas vu. Tu étais rencontré où? C'était pas la sansa. Tu m'as dit que tu fréquentais. Tu parles à la sansa. Tu connais la sansa. Tu étais avec tes copines dans le bois, non? Hein? Tu avais le soutien ce jour? Hier. Yeah. Tu avais le soutien? Tu portes même souvent le soutien? Vous me mettez dans les plombs. Tu as jamais cherché la femme, mon petit? Je cherche les femmes de mon âge. Je cherche ma génération. C'est donc tu dois faire la voyance pour connaître l'âge de la femme. C'est une femme pour vous. Hein. C'est une femme. Vous venez l'appeler femme. Et puis tu parviens à écouter son langage. Qui s'est fait le lycée? Femme. Même au bas. Même au bas. Elle était avec un type. Qui faisait comme ça? C'est où ça m'a aussi galvanisé? Maman, je me suis lancé. C'est vrai ce qu'il raconte là? Elle ne fait pas l'amour, c'est pas toi qui m'as dit que tu es fontaine. Oh! Tu m'as dit que tu es une fille fontaine, non?
Vous me mettez dans les problèmes, pourquoi mon petit? Laissez-moi partir. Oh oh, voilà l'école. Oh. N'allez nulle part. J'ai dit vous allez reprendre de vos actes. Finissez de faire votre petit cinéma là. Et puis j'appelle pour vous pondre de vos actes. Pardon? Je donne, vous baissez votre température, je donne 10 minutes pour que vous baissez votre température. Je n'ai jamais un fond. Je n'ai jamais un fond. Vous essayez de me corrompre? Je donne 10 minutes. Ma mère. Hein? Si tu essaies de tendre ça, je vais te faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Vous voulez donc faire quoi? Vous voulez vous plaindre? Je fais quoi, mon petit? C'est quoi? C'est quoi? Elle vous dit. Ah, c'est quoi? Lassez-vous là. Ah! Vous me voulez quoi? Quand vous la regardez. Parce que j'ai tragué une fille, ça devient des problèmes. Qui n'a jamais dragué dans sa vie? Monsieur, écoutez-moi. Même sa vie est au drague. Vous avez dérouté l'enfant. Vous avez dérouté l'enfant, c'est ça? Voilà, je vous donne 10 000. Si. Même en route, quand le policier te prend, au Cameroun, tu négocies. On ne négocie rien. Hein? Monsieur, vous savez. La douane, tu négocies. On négocie, tout est négociable au Cameroun. Ok, vous. Quand la police vous parle, l'âme de crocodile. La corruption est même reconnue dans ce pays. Vous voulez me parler de quoi? Devant la police, tu vas aller dans le non, il vient de faire quelque chose de très grave. Écrasé. Monsieur, attends. Vous venez de nous accuser d'être un État corrompu. Mon pays a la corruption. Prenez les tensions. Tu prends une bière, tu prends une bière. Ça baisse votre tension pour les laisser tranquille. Vous croyez que tu veux pas? C'est une bière qui nous dépasse. Monsieur, j'ai comme impression que vous prenez ça à la blague. Est-ce que vous savez que votre emprisonnement est passé d'au moins 8 ans? J'ai fait l'enfant avec une fille de 15 ans. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. J'ai fait l'enfant avec une fille de 15 ans. En fait, même ses parents ne m'ont pas dérangé. Donc c'est votre travail. C'est son travail. C'est votre travail. Vous avez l'habitude de détourner les enfants. Qui n'aime pas ce qui est frère? Vous venez d'aggraver encore. Qui n'aime pas ce qui est frère? Pardon, laissez-moi tranquille. On veut monsieur, pas. Laissez-moi. De quoi? Allô? Depuis la maison posée. De quoi vous me bloquez ici? Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Restez tranquille. Je suis en train de passer un coup de fil. On va venir vous porter tout à l'heure. Allô? Allez. Passe ici. Passe, allez. Madame. Oui, mon commissaire. Je peux te faire quelque chose, hein? Je disais, je suis au petit barreau du coin où nous sommes souvent assis là. Je marche à. Il y a. Voilà ça. Venez. On n'a pas besoin. Venez ça. Il y a un monsieur. Il y a un monsieur là qui. Laisse d'abord. En fait, laisse. Laissez-moi d'abord. Oh. Laisse mon petit, laisse. J'ai donné 20 000. J'ai donné 20 000. Même à minuit ferme, c'est colo. Monsieur, restez tranquille. À la F, c'est colo. Dos, c'est colo. Tu viens payer, tu ne t'es pas fait. À 20 000 francs. Vous voulez ma tête? Ouvrez ma tête! Monsieur, calmez-vous! Il ne faut pas toujours prendre les choses du mauvais côté. De toute façon, on a donné 20 000. Madame, vous vous calmez. C'est moi qui fais la loi. Certaines personnes peuvent se retrouver dans des situations assez compliquées. Sans savoir. D'ailleurs, même dans la Bible, on dit qu'on pardonne certaines erreurs. Vous êtes devenu pasteur. Monsieur, vous m'écoutez. C'est moi qui fais la loi. Si vous me contredisez encore, je change avec vous. Est-ce que vous m'écoutez? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce n'est pas la loi? Je suis avec toi. Madame, calmez-vous. S'il te plaît. Madame, c'est moi qui fais la loi et vous vous calmez. J'ai dit, il a pu se tromper. Et il faut aussi apprendre à conseiller vos enfants. Ce n'est pas aux hommes de dehors à aller conseiller vos enfants. Il faut éduquer vos enfants chez vous. Et l'enfant, s'il fait la chirurgie sur la poitrine, hein. Monsieur, c'est moi qui parle. Regardez la violence du petit fils de 17 ans. Comment vous ne voulez pas que quelqu'un chasse ça? Mets-nous la honte au quartier. Tu on soulève ici. Il n'y a rien dedans. Je préfère qu'on laisse l'affaire tout au frais. Que nous calmions ça. Tout le monde peut se tromper. Reste avec ta malchance. Reste avec ta malchance. Tu as compris, non? Reste avec ta malchance. Ça va pas finir comme ça. Mais un jour, tu avais ta viande d'eau, tu vas voir ce que tu cherches. Viens de son état. Regarde-moi les choses. Avec ton chapeau des sauts là. Et vous aussi, monsieur.
Vous arrivez quelque part. Même quand vous voulez faire certaines choses, il faut apprendre à vous cacher. C'est votre fille. C'est votre fille. Vous avez 40 ans, elle a 17 ans. Vous êtes passible d'un emprisonnement. Mais c'est parce que vous êtes un homme sage que vous avez, vous échappez. Ok? Un enfant, si. Ce n'est même pas un enfant. C'est une fois comme ça d'envoyer le main. C'est un ravin. C'est un ravin. Ce n'est pas ce que je veux savoir. J'ai dit vous êtes un homme sage et ça vous a sauvé la vie. Ok? On est ensemble. Moi, tu es 20 minutes, je vous donne le temps. J'ai mon vin. Parce que je n'ai pas encore payé le vin. Chef, tu payes ça. Madame, il paye son vin, hein. Je n'ai rien à payer là. Direct ça, c'est 1500. J'ai dit je paye rien. Et c'est tout. Non, viens. Prends ça. Je reviens payer. Les jours de ma chance, c'est tout comme ça. Tu prends un truc, tu vois que c'est un truc alors que ce n'est pas un truc.